Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sakma pour la caille. Hier dimanche, là, dans la matinée, il y a une US Army qui annonçait que il fait s'endarrer une attaque aérienne dans la zone islamique, dans la partie sud Syrie, airstrike dans la partie l'est de la Syrie. Centrale opération, la déclaration, il dit, il décrit l'opération, ça, c'est un hélicoptère strike qui a commencé bien bonnet et dimanche, côté que ils ont attaqué et ils ont touillé deux leaders islamiques et une qui ont identifié tant qu'Anas. En fait, vidéo release montrer qui gens que strike là été fait avec en pile précision et Ana, une qui ont touillé d'après nouvelle, il était impliqué dans plusieurs groupes qui étaient facilité faire conspiration opération dans partie l'est de la Syrie et vous fait comprendre l'opération ça tout bagarre bien passé pas un civil qui était blessé ou bien qui était mort et gain observateur pour droits humains dans pays Syrie dans l'onde activiste dans pays a spécifié que opération et était prend place et dans une localité en collaboration avec Syrien Democratic Force et nous voulons rappeler que bataille et en fait les litiges qui gagnent au niveau qui passé dans la partie sud de la Syrie c'est un bagage qui commencé depuis 2015 nous songer et Donald Trump avant d'aller de manière unilatérale t'a retiré près de 2500 troupes qui t'ai gagné dans le pays de la Syrie et d'ailleurs il t'a retiré tout oui et son 900 il fait son 900 yo fait tourner et nous konn bagala 900 yo fait tourner hein? C'est lorsque yo parlé de trop dit gon ti gaz dans zone là gon ti gaz donc monsieur tourner pour al sécuriser ti zone Gaza nous songer l'idée en dit bataille la Syrie originellement c'est là où c'est qui gagne nous songer les yo ta bataille justement pour été retiré et président la Russie et Syrie qui au pas arrivé alors que Vladimir Poutine le contraire tape et supporté Assad al-Assad et au pas arrivé renverser et que à la fin les États-Unis te mettent d'accord qu'effectivement l'IPAT que au pas dit sur le plan stratégique dans le sens que il pas arrivé renverser autorité dans pays et la Syrie mais nevertheless zone ça nous voulons dire que l'Irité est une zone très dangereuse nous songer ça fait longtemps yo t'a parlé de ISIS et c'est ça fort ouais que depuis et nous bien dire en fait moun yo airstrike ça qui fait là c'est en d'autres termes c'est dernier reste leader ISIS qui a touillé OK parce que mouvement ISIS ça l'elle t'a mené nous songer ça c'est que depuis au point yo couper tête tout nèg sa ote méchant en pile nèg sa ou toujours pas paix mou ou te met a bay bal y a pas avancé y a ote très dangereux et mouvement ISIS là et finalement et yo te fini gen par gen raison de groupe ISIS là n'a pas pour bataille contre ISIS son coalition et là aussi pas parce que ISIS yo pas gen allié yo même OK yo te arrivé justement craser mouvement ça et les États-Unis bien dit pas jambe li yo c'est deux officiels ISIS que jeudi dimanche là dans la partie eastern de la Syrie que yo te target et yo konn côté nèg yo yo gen toute information et yo cible nèg yo yo éliminer yo yo fait comprendre la mort ISIS ça yo a diminué action organisation terroriste habilité pour te mener complot et fait des actions déstabilisant dans Middle East là c'est déclaration centrale commande porte-parole colonel John Boussimo qui t'a mené opération ça une opération qui vraiment est faite avec tout succès les États-Unis insisté qu'il prend engagement dans la campagne pour dire bien et fait et ici perdit dans partenariat avec des forces locales et deux semaines passées n'a pas que les États-Unis étaient justement et apprendre la mort de leader ISIS là Abba al-Hassan al-Simi al-Kouachi et lui-même c'est lui pas tué contrairement à une opération qui a été fait en février il a été tué Ajib Abadoula donc ça va ça vous dit dernier leader ISIS
yo ap tombe youn de lot ki se yon un bon information pour les États-Unis dans le moment que n'a pas là avec là. Sous base ça nous aller toujours été connecté avec Palmi Sakma pour la caille.